jour 3 de la crise du coronavirus. Donc là, pour l'instant, on va s'occuper de faire les soins de Lady. Laure vient d'aller faire les courses. Impossible de trouver du poulet pour le barf. Donc j'ai encore une semaine d'avance, mais après, bah, si on n'a pas le choix, ils repasseront aux croquettes. Donc là, on va faire les soins de ma petite papate de Didou. Donc là, j'ai tous les produits. Donc gel hydroalcoolique, antigratte, mais pour l'instant, je le mets pas trop parce que tant que c'est pas vidé, je veux pas que ça cicatrise pour pouvoir vider. Mon antiseptique, d'ailleurs, j'en ai presque plus, j'aurais dû en racheter. Boulet. Une bande, du scotch, juste par là. Des compresses stériles, et puis ça c'est pour récolter le pus. Oui, j'utilise ce si précieux truc, si cher aux yeux des gens, pour nettoyer les plaies, parce que oui, je peux pas utiliser toutes mes compresses, je préfère les garder pour après. Donc ça c'est pour récolter le sang sale et le pus, et puis bah, mon petit ciseau. Donc on va s'attaquer tout de suite aux soins de la Miss. Donc là franchement la pâte ça va, elle est encore un petit peu violette mais ça se maintient, donc je vais vider encore, en fait c'est au niveau de la petite croûte là que ça sort, et c'est sous le coussinet que t'es pas forcément ultra beau, mais voilà, ça se soigne plutôt bien, donc on va continuer les bandages jusqu'à rétablissement et je vais commencer à mettre de l'antigratte pour cicatriser l'ensemble, mais ça se passe vraiment bien. On fait sa petite traumate mais il n'y a pas de montée de fièvre ou quoi que ce soit, je surveille, après on va aller laver la bande histoire qu'elle soit propre pour une autre utilisation. Et voilà, la Miss a son nouveau bandage, donc ça n'a pas été drôle parce qu'il a fallu que j'appuie un petit peu fort pour faire sortir encore un peu de saleté à l'intérieur. Mais voilà, en tout cas c'est fait, elle est courageuse. Elle était courageuse ma Miss. Donc tout beau pansement. Puis après on va peut-être aller se balader histoire que tu prennes un peu l'air. Tu marcheras pas mais au moins tu vas aller voir les copines. De plus. Mais oui tu t'inquiètes, t'aimes pas quand ta sœur elle pleure. Ouais, c'est vrai. En tout cas, elle s'y est habituée et maintenant bah, elle se balade comme si elle portait pas de pansement. Ce qui l'a fait plus chier, c'est les soins. Donc bah, je vais ranger tout ça et puis je vais aller nettoyer la petite bande histoire qu'elle soit propre. Elle va aller rejoindre l'autre qui est en train de sécher. Parce que c'est important que les bandes soient propres à chaque fois.